Et salut à tous, bien le bonjour, on se retrouve pour ce nouvel épisode de Stardew Valley, donc c'est parti. Donc l'arrosoir normalement pourra le récupérer la deuxième journée de l'épisode. L'œil flotte, donc c'est cool, c'est plutôt bien pour notre jardin quoi. Hein. Donc on va vendre les aubergines parce qu'on n'en a pas besoin. Je pense qu'on va aller à la mine, très clairement, parce que bah, on n'a pas trop grand chose d'autre à faire, hein, on va pas se mentir. Il faut qu'on avance au niveau de la mine pour avoir plus de fer, pour améliorer nos outils. Et bah, en même temps, là, il faut attendre que notre petite. Non, je veux pas manger l'œuf. Je veux caresser les petites poulettes. Alors, il me reste encore l'autre là-bas à caresser. Bim bam boum. On va chercher un peu de le foin pour remettre du foin là. Hop, c'est parti. Donc, on sort de là-dedans. On va aller voir ce qu'il y a dans la grotte. Alors, hop, c'est parti. Touk, 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 touk. Ah, oh, Robin a le travail, nice. C'est bon ça. Alors, il y a des fruits, on va ramasser ça. Merci les chauves-souris. Ça, on n'a pas besoin pour la quête des Juminos. On les a déjà utilisés, donc on peut les vendre. Tac. Alors, la dernière fois, je disais qu'on allait acheter les paquets au centre communal, mais non, parce que en vrai, il va falloir qu'on prévoie aussi bientôt le changement de saison, parce que je ne sais pas combien il y a de jours exactement dans le mois. Donc j'y ai pas prêté attention jusque-là, donc là il faut que j'y prête vraiment attention parce que là c'est le 21e jour. Donc est-ce qu'il y a 30 jours ou 31? Je sais pas du tout comment ça se passe ou est-ce qu'il y en a moins, vous voyez. Donc là on va vers la grotte. Alors faut savoir que ça fait un moment que j'ai pas lancé le jeu. Parce qu'en général je recorde les épisodes pour le mois en une fois. Parce que je le fais le week-end généralement. C'est là où j'ai le plus de temps. Et du coup, ben voilà quoi. À chaque fois, on a l'impression de redécouvrir le jeu, limite. C'est un peu perturbant. J'ai pas non plus envie de prendre trop d'avance, vous voyez. De jouer au jeu, genre pendant des heures et des heures. Parce que j'ai pas envie d'être trop en décalé, en fait, par rapport au record et à la sortie des vidéos. Hop. Alors, on prend l'ascenseur. Donc, niveau 55. Donc, on va essayer d'atteindre le niveau 60. Hello. Ah, j'aurais dû faire les omelettes avant de partir, par contre. Flûte. Bon, j'en ai 4. Je pense qu'avec 4, on devrait s'en sortir. Allez! Bon sang de bonsoir. Saligo, vous allez mourir. C'est fou ce que mes insultes sont graves. Vous avez vu, Saligo, c'est dingue. Est-ce que... Il faut que je tue les bignous pour avoir la descente. Possible. J'ai l'impression que c'est souvent comme ça maintenant. Par contre, je vois qu'il n'y a pas de fer. Et ça m'embête un peu. On va pas se mentir. Parce que j'aimerais vraiment avoir plus de fer. Et toi, tu vas mourir. Et l'œil là-bas, il est coincé contre le mur. Tu vas mourir. Ah, je me suis coincée toute seule avec ce fichu slime. Pardon. La rageuse en moi se réveille quand c'est comme ça. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Rien, nada. Alors, par là. Idem. Non, mais c'est pas vrai. Où est la sortie, bon sang? Allez, allez. Ah, mais c'est pas vrai. Elle est où ma sortie? Laissez-moi sortir! Je vais devenir folle. Promettez-moi que si vous avez l'impression que je deviens folle, vous me le direz. Hein. Parce que franchement, ça serait pas cool sinon. Bon, et sérieux, je veux des bignous à tuer ou je veux une sortie là? Hein. 11h20, on est qu'au niveau 55. Je veux le niveau 56, bordel! Là, je suis moins politiquement correcte par contre. Ça va pas ça. Bon, c'est bien d'avoir de la caillasse, mais j'aimerais plus là. Mais c'est quoi ce bazar? C'est quoi ce bazar? Oh non! Allez! Ah bah punaise, on en casse de la caillasse là! Allez, sois sympa, mon sang! C'est quoi ce bazar, sérieux? Je vais casser tous les cailloux et j'aurai rien? Ça se passe comment là? Tchou! Il y avait longtemps qu'on avait pourtant galéré à trouver la sortie. Allez, s'il te plaît.
Alors, il faudrait qu'on repasse au niveau de la guilde des aventuriers, pardon, je perds mes mots, pour voir tout simplement bah, où on en est au niveau des stats. Parce qu'en vrai, j'aimerais bien avoir une épée un peu plus puissante, on va dire. Parce que je commence à en avoir marre, je trouve qu'on fait pas beaucoup de dégâts. Et c'est agaçant. Mais c'est pas vrai! Il n'y a pas de sortie! Eh franchement! Vous avez vu toute l'énergie que j'ai dépensée? Mais what? Non. Je vais attendre d'avoir mes PV de baisser pour en remanger un parce que ça serait dommage. Non mais... C'est quoi ce bazar? J'ai tué les monstres qu'il y avait donc je peux pas... Oh, on a eu un minerai de fer en cassant du caillou. Oh bah au moins... C'est un de prix. Encore 4, on peut faire un lingot. Wouhou! Bon. Génial. Ah, je kiffe ma vie là tout de suite. C'est fou. Ma vie dans le jeu, elle est ouf là. Alors. Punaise, mais il reste plus que ça comme caillou. Oh, mais mon dieu, là, c'est horrible. Hop, des cailloux là-dedans. Allez, meurs le slime. Alors, le fer, ça, j'en ai besoin. Eh, viens à moi, très cher monsieur. Donc, on en a juste eu un. Une minerai, ok, super. Youpi, danse de la joie. Meurs. Si tu me montres une sortie, je serai encore plus ravi. Oh. Alors, là-bas, il y a une chauve-souris qui va se réveiller. Il y a du fer, ça, je vais le ramasser. C'est clair et net, on est là pour ça. Pour les étages, mais aussi pour ça. Wow, Batman, on se calme. Batman. Va voir Robin, va voir qui tu veux, mais laisse-moi tranquille. T'as pas de joker avec qui t'éclater là, venir m'emmerder moi, non? Ah là là. Alors, c'est pas mal. On a du fer au moins sur cet étage. Et en même temps, j'aimerais bien qu'il y ait une sortie qui se montre un peu à nous là, tout de suite. Bon, de la caillasse. Oh là là. On va manquer d'énergie. Je suis triste. J'aurais dû faire mes omelettes avant de partir. Bon, je vais affronter le petit monstre qu'il y a là pour voir si ça va m'ouvrir une sortie. J'espère. Parce que si on doit casser... Oh, on va encore devoir casser de la caillasse. On va aller voir de l'autre côté. Ah non, il y a une sortie. Ah, il y a un truc qu'on n'a jamais eu. Allez, mourrez vous deux. C'est quoi ce truc? Omnigéode. Ok, donc encore un slime. En même temps, on voit quasi que ça dans les grottes. Alors, ça devrait pas trop m'étonner, j'ai envie de vous dire. Allez, 17h30, on est au niveau 57. Oh là là, on n'atteindra jamais le niveau 60 avec le peu d'énergie qui nous reste. Alors, j'ai encore les plats là, spéciaux qu'on avait eu là. Allez! Voilà. Alors, qu'est-ce qui se trame par là? Allez, mourez tous les deux. Ouvrez-moi une sortie. Je serais ravie. Oh, ouais, c'est bon là! Batman, il fait un regroupement. Ça se passe comment là? Eh, on n'est pas soirée déguisée, hein? Faut se calmer, hein, les gars, là. Garland Boy, le calme. Encore? Mais c'est pas vrai. Une bombe? What the fuck? C'est quoi ce truc? Une bombe. Alors. Bon, on va affronter les deux petits là.
Alors, est-ce que en tuant lui, ça va m'ouvrir une sortie? Allez! Eux, ils ont pas trop de PV, ça va? Non. Ok, on n'a pas de sortie de libérée. Il est 19h40. Ça m'embête de sortir de la mine alors que je suis pas au niveau 60, vous voyez? On a 12 fers, donc c'est plutôt une bonne chose. Ok, donc on n'a pas eu de sortie de libérée. Bon, une autre Batman qui arrive. On va la tuer en espérant que ça nous ouvre une sortie. Sinon, bah, il faudra rentrer à la maison malheureusement sans avoir atteint le niveau 60. Bon, on a 12 fers, donc je suis plutôt contente quand même, vous voyez. Ouais, on va pas avoir assez d'énergie. Encore une Batman? J'ai entendu un bruit. Je vais devoir manger ma dernière omelette. Allez, viens. Viens, Batman. Allez! Un peu triste, là. Pour le coup. Bon, c'est mort. On n'aura pas le niveau 60. Mais on a eu du fer. Donc, on a quand même. On va avoir deux lingots. Il nous en manque encore trois au total après. Pour pouvoir faire la hache. Oui, on sort de la mine. On n'a pas le choix, là. Hop. Allez, c'est parti. Il est trop tard pour passer à la guilde des aventuriers, donc on va abandonner l'idée. Alors, par là, il faut passer au-dessus de chez Robin. Suivre la route là-bas. Et on sera à la maison plus rapidement. Eh, ça me change la vie maintenant que j'utilise ce passage-là. Ça va plus vite, hein. Alors. Toc, 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 toc. Ah, tu travailles jour et nuit, elle! Eh, faut apprendre à dormir dans la vie, hein, Robin. Tac. Voilà. Alors. Non, c'est pas ce coffre-là. Non, c'est pas. Eh! Hello, tu fais n'importe quoi. Mais eh, je fais vraiment n'importe quoi, des fois. Des fois, je sais pas ce qui se passe dans mon cerveau. Donc, tac, ça. Ah, dommage. Hop, donc là comme ça on a de quoi faire cuire notre fer. Donc ça on met là-dedans, ça aussi, ça aussi. Ça aussi. Et la bombe artisanat. Parchemin nain. Ah, bon, bah, de toute façon il faut qu'on aille voir notre petit Clint tout à l'heure. Hop, allez, on va faire un petit dodo. C'est parti. On va passer à la deuxième journée, on va aller récupérer notre arrosoir. Hop! Yes, on veut faire dodo! Alors, niveau 9. Efficacité de l'arroseur, efficacité de la houe, nouveau schéma. Machine à graines. Arroseur en iridium. Fertilisant de qualité. Ah, niveau de combat 5, plus 5 HP. Ok. Ah, on progresse, on progresse, on progresse. C'est plutôt bon. Bon, on a eu 500 de gold, écoutez. 22e jour de l'automne. De l'été, j'allais dire. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Alors, c'est parti pour ce jour numéro 2. Donc, j'ai dû faire une petite ellipse parce que j'étais embêtée chez moi. Du coup, où on en est? Donc, on va mettre à cœur le fer. On va passer chez Pierre, histoire de prendre davantage de graines. Ouais, je pense. Là, le maïs, il a l'air d'être. Ouais, on peut le ramasser. Donc, on va ramasser tout ça. Hop, c'est bizarre, ils sont pas tous à ramasser, vous avez vu? C'est assez étrange en vrai. Oh voilà, on va pouvoir mettre à vendre tout ça parce qu'on a déjà donné au centre communal tout ce qui était étoilé au niveau du maïs. Le raisin, je vais le garder. Pour avoir de l'énergie. Parce qu'on va retourner à la mine aussi en passant. Non, c'est pas là-dedans. Non, c'est pas ça que je voulais déposer, c'était le fer. Voilà, il est là le problème. Alors, on va aller voir nos petites poulettes. Histoire de les caresser et tout. Faire des petites papouilles. Salut! Hop, hop!
C'est bon, ils ont tous été caressés? Ah non, là, il n'a pas été caressé. Voilà. Allez, bye bye les poulettes. Alors, on va aller faire nos omelettes. N'empêche que le champ, là, il ressemble plus à rien. Mes champs, ils ressemblent plus à rien. C'est juste monstrueux. Du coup, on va passer chez Clint. En même temps, on va passer chez Gunter. Quoique. Ouais, je crois que je suis déjà donné ce parchemin-là. Ça sert à rien. Alors, c'est parti. Donc, ouais, ça ouvre à 9h chez Pierre. Donc, on va peut-être passer à la plage. Ah, une noisette. Hop, voilà. Bon, on est à côté de la maison, vous savez quoi? On va aller la mettre à vendre parce qu'elle est étoilée, ça nous rapportera plus. C'est important, l'air de rien. Hop. Ouais, non, ma pioche, je vais la garder pour l'instant. Parce que je vais aller à la mine. Parce qu'il pleut, donc on n'a pas grand-chose à faire pour cette deuxième journée, sinon. Bon, le temps que j'arrive, il va être 9h, quoi. C'est ça? Allez, 50. Ouais, bon, on va pas passer à la plage. Hop, 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 allez, allez. Coucou, Pierrot. On vient te prendre des graines. Alors, du blé. On va en prendre une quarantaine. Comme ça, on aura de quoi se refaire de l'oseille derrière. Parce qu'il faut penser à ça aussi. Parce que je sais pas combien vont coûter les graines à la prochaine saison. J'en ai pris 41, c'est pas grave. Hein. On s'est foiré. Allez, c'est parti. Donc, bye bye, Pierre. Alors, on va aller à la mine. C'est parti. Voilà, parce que j'ai envie... d'avancer au niveau du fer. Hop, hop, hop. Puis plus on descendra, plus on aura d'autres minerais. Donc surtout l'or aussi qu'il nous faut. Hop, donc on a ça à manger en plus. C'est plutôt bien. Il est 9h30. Le temps qu'on arrive là-haut, il va être 10h. Mais c'est pas grave. C'est bon. On va avoir le temps de descendre de quelques étages. J'espère qu'on arrivera au niveau 60. Et si on n'y arrive pas, bah, au moins on aura du fer. Y a aussi, c'est ça dont on a besoin, hein, là, pour faire les améliorations. Donc c'est important. Tac. Allez, c'est parti. Alors. Y a rien, y a rien, y a rien. Là, y a un slime. Eh, laisse-moi prendre mon épée, bon sang. Méchant. T'es pas beau avec tes yeux rouges. Méchant monsieur. Hop, hop, hop. Hop. Allez, coco. La dernière fois, c'était ici qu'on avait eu l'échelle. Et bah là, elle y est pas. Vous voyez, c'est aléatoire. C'est horrible. Allez, s'il vous plaît. Donnez-moi une sortie. On va encore casser tous les cailloux. Pour avoir... la sortie. Et on va bouffer toute notre énergie. Allez, s'il vous plaît. À l'aide. Ouais. Je veux bien que tu casses le caillou, par contre. Alors, là, vous voyez, je touche à rien et elle s'est tournée toute seule. Mais il y a des fois dans ce jeu où dans ton propre cerveau, t'es en mode PLS. Allez, s'il vous plaît. Filez-moi la sortie. Oh là là, je vous jure. Et j'en oublie de parler, hein, désolé, mais vraiment, c'est... Je trouve ça horrible, hein, leur sortie. Là, on met du temps encore, hein. Purée. Allez, soyez sympas. Allez, on va aller casser ceux qui sont devant, là. Non, mais... Sérieusement? Bon, bah, désolé, mon petit chien qui aboie. Tac. Alors... Oh, c'est pas vrai. Elle niveau 55 pour trouver la sortie, c'est juste affreux. Bon, bah allez, il n'y a plus que là-bas, là où il y a le slime à tuer. Ah bah, il y en a même deux. Ah bah d'accord, je descends. Je cherche même pas à comprendre. Du fer. Yes.
Allez! Bourré! Ah, bah l'échelle, elle est déjà libérée là-bas. Alors, pour descendre du prochain niveau, ça va être bien. Donc, il y a juste à regarder s'il y a du fer. À droite, à gauche, histoire de. D'en récupérer. Bon, tu vas mourir, toi, ouais? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose par là? Non. Oh, c'est pas vrai. Alors là-bas, on peut pas passer, mais là, on peut passer. Mais, et what the fuck, là? Alors, il y a du fer là-bas et il y a un tonneau. Moi bien. Alors, tac. Rien. Prochain niveau. Allez, meurs. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Allez, allez! Si tu pouvais me donner la sortie en même temps, j'en serais ravie. Alors, tac, tac, tac. Qu'est-ce qui se passe par là? Ah, il faut explorer à mort hein, partout, c'est un truc de malade. Bon, du quartz. On s'en fout un peu en vrai, mais bon, écoutez. Il y a ça. Alors, tac, 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 tac. Il y a du fer, il y a du fer, il y a du fer ou il n'y a pas de fer. J'ai l'impression que nada. Hop. Voilà, on va manger ça. C'est parti. Allez, meurs toi. Allez, s'il vous plaît, cette fois on veut le niveau 60. Il n'y a pas moyen. Yes! Alors, allez, le slime a tué. Et bah quand il y a un fantôme qui va venir nous casser les noisettes. Même si j'en ai pas. Allez! Bon sang! Allez. Ah! Merde! Ah, je suis rageuse avec les fantômes, c'est affreux. Hein. Là, vous voyez mon côté non-patiente, là. Tout de suite, là. C'est. Allez! Meurs! Meurs, bonsoir, bonsoir! Allez! Oh là là! Ah, c'est affreux! Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Oh, je vais casser ce bout de fer, parce que là, ça me saoule. Ah! Un slime! Salut, copain! Copain comme cochon! Alors, 58. Allez, s'il vous plaît, encore deux niveaux. Il est à 18h. On a encore de quoi manger. Ça, c'est plutôt bien. Oh, bah allez, toi, hein. Ça suffit, là, hein. Ça suffire, monsieur! Voilà, t'es mort! Ah, il y a une caisse, il y a une caisse, il y a une caisse, il y a une caisse! Il y a une caisse! Bon, allez! Allez, 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 allez! Bon, voilà. Alors, dans la caisse, il y a quoi? Priez pour qu'on ait de la chance, un peu. Des carottes souterraines. Bon, on va les garder. Écoutez, on les stockera. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Ah, ouais, il y a des choses. Il y a des choses, il y a des choses. Alors, ça, on en a déjà eu. Je sais plus ce que c'est, mais on en a déjà eu. Ouais, les topazes. Ok, là-dedans, il y a du... Il y a du charbon. Pardon. J'en perds mes mots. Ça, c'est du... Ah, métis, je crois. Ouais, métis. Et il n'y a rien. Ok, donc il faut qu'on casse les caillasses. Eh ben, c'est parti. Nice, du fer. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi vite fait le niveau 59. J'aimerais bien. J'aimerais vraiment le niveau 60, s'il vous plaît. Oh, une omnigéode.
Bon, on en a deux du coup, parce qu'on en avait une déjà au jour d'avant. Ah, il est 20 h, c'est mort, on n'aura jamais ce niveau 60. Hein. Punaise. C'est dommage, on est au niveau 58, bon sang. Allez, soyez sympa avec moi. Il y a tellement de cailloux, comment vous voulez que... Franchement. Bon, faut vraiment qu'on améliore la pioche. Au prochain épisode, on améliore la pioche. On va la mettre en cuivre. Comme ça, on aura au moins ça. Ah, punaise. Ah, je suis déception, quoi. Allez, soyez gentils. Eh, j'encaisse du caillou, hein! Ah, punaise! Ouais! Allez, encore un, s'il vous plaît. Le fantôme, je m'en bats les steaks. Je vais employer toutes les expressions pourraves possibles. Allez, hop. Alors, est-ce que le slime va me libérer le passage ou est-ce que c'est le caillasse? Allez! Soyez sympa! Donnez-moi l'autre niveau. 22 heures dans le jeu. C'est pas possible! C'est pas possible, madame, monsieur! Yes! Ouais! Alors, un coffre. Yes, une autre. Oh, une dague cristalline! Oh là là. 4 à 10, 4 à 8, 50 puissance critique. Ah ouais, c'est largement mieux que ce qu'on avait. Ah ouais, merci. Hop. Eh ben, on rentre à la maison, les amis. Eh, c'est trop bien ça. On a le niveau 60. Youpi. Allez, allez, allez. Et moi, pendant ce temps-là. Je sais pas, j'ai cette chanson dans la tête depuis tout à l'heure. Me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas, je l'ai pas entendue depuis je ne sais pas combien de temps, mais bon, c'est pas grave, hein. Il y a des trucs comme ça qui passent dans votre cerveau, comme une illumination, et pouf! C'est fini après. Ah, une prune. Alors. Alors. Allez, Corlo! Mais purée, mais elle travaille jour et nuit, cette femme. Elle est épique, hein. Oh, on va avoir de quoi améliorer notre hache. Oh que oui, madame, monsieur. Oh, c'est trop bien. Alors, tout ça, on le met dans les machins. Ça aussi, ça aussi. Ça aussi. Ça, je prends. Ça, je mets là-dedans. Je mets là-dedans. Ça aussi. Tac, 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 tac. Ça, je mets là-dedans. Et on a une nouvelle hache. Enfin, une nouvelle épée, quoi. Un nouveau moyen de défense. C'est trop bien. Alors. Alors, voilà. Donc on en a 2, 3, 4, 5. Ouais, on va avoir juste assez, mais on va améliorer la pioche en premier. Histoire qu'on casse un peu plus vite. Parce que là, je vous avoue que j'en ai ras-le-bol. Donc, on va aller dodo. Je remettrai les plantations la prochaine fois. Hop! Donc, c'est plutôt cool. On a le niveau 60. Hip-hip-hip. Et voilà, on fait des deux. Alors. Ouais, on a eu un petit peu de gold. Rien de foulichon. C'est toujours ça de pris. Donc, voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et des bisous à tous. Bye bye.